Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, un uniforme de pompier. Oh, mais... Ça alors, incroyable! Oh! Martin, le petit déjeuner est prêt. Bonjour, pa. Bonjour, maman. Bien dormi, Martin? Oh, mais quel bel uniforme! N'est-ce pas? Ah! Au feu! Oh. Incendie maîtrisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes. Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau. Et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh! Oh là! Je vais être en retard, moi! Gros modo, déjà m'attendre! On doit aller au cinéma avec Roxane! Surtout, sois prudent, Martin! Oh! Alors, que penses-tu de ça? Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Non mais tu te rends compte? Pompiers, tout le monde aime les pompiers, les filles surtout. Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane. Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce que un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Sapeur Boutefeu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef. Vas-y, demande. Mon copain Gromo, il peut venir avec nous? Mmh. Ah, mais les pompiers aussi, alors. Oh. Bienvenue à bord, commandant Gromo. Ouais, génial. Eh, mais on dirait Martin avec son idiot de copain gros mot. Ça alors, mais Martin est pompier aujourd'hui. Ah, je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, ben j'espère qu'il peut quand même conduire parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Mmh. Et on doit aller où, mon commandant? chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte? Il roule en camion de pompier. Tu parles d'un frimeur, celui-là. Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en face! Mais c'est un cas d'urgence! Merci, mon commandant. Cette voiture occupait toute la double voie. Pas facile, le métier de pompier. Vas-y, cache-toi. Vite, voilà quelqu'un. Miaou. 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 Oh, un chaton, le pauvre. Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose.
Message bien reçu, mon commandant. On a un code 521. Bien, et c'est quoi un code 521? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche maintenant. Stop! Parfait! Surtout, ne bougez plus! Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre? On a déjà essayé, rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Miaou! Miaou! Vas-y, tout le monde te regarde. Miaou! Oui, une minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées au moins, sapeur bout de feu. L'échelle est bloquée, mon commandant, vous pouvez y aller. Commandant Gromot, on pourrait déployer la bâche. On ne sait jamais si le commandant tombait. Tu n'as rien à craindre. Si tu tombes, on te recevra. À droite, à droite. Non, à gauche, à gauche. Eh bien, on va voir la tête que fait Martin. Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille. À gauche tout. Mais c'est une peluche. C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers. Si je tenais celui qui a fait ça. Et Roxane qui nous attend. Vite, en route. Mais pourquoi faut-il que les garçons soient toujours en retard? Roxane, elle nous attend encore. Vite, vite, il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur. Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue des Lilas. Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague. Ça perd l'hypopète, un code 832. Eh bien, il manquait plus que ça. C'est loin d'être une blague, mon commandant. Martin, gros mot. Oh là là, Martin, pompier, pourvu qu'il n'y ait rien de grave. C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale. Oh quoi, on va bien rire. Un code 832. Mais c'est la première fois que j'en vois, hein, moi. Oh. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là, vite, vite, il faut dérouler les tuyaux. Tenez-vous prêts à aspirer l'eau. Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place. Martin, attends. Le local rempli d'eau, c'est par là? Oui, oui. Un faux 832, c'est une honte. Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir. Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste une mauvaise blague. Courage, le prochain appel sera le bon. Je suis sûre que vous pourrez servir à quelque chose. Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre. Où est-ce que tu vas encore? Arrête, Roméo! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir. Où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien. Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi. Arrête! T'es fou! Qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Roméo, attention! Au secours! Roméo!
Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Un essaim d'abeilles? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague. Cette fois, il exagère. Vite, vite, c'est par là. Alexandra? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin, il est attaqué par des abeilles. Pas de panique, surtout pas de panique, les pompiers sont là. Voilà, avec ça, tu ne risques rien. Soyez prudent, commandant, ces fichues bestioles n'ont pas l'air commodes. Courage, Martin, le devoir t'appelle. Ok. Oh. Dis donc, ton Roméo, ça serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard? Au secours! Tiens bon, Roméo, j'arrive! La ruche, vite! Au secours! Voilà, maintenant il n'y a plus de danger. C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette boueuse maintenant. Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien. Bravo, Martin, t'as été très courageux. Dommage tout de même que Roxane n'était pas là, Martin, pour me voir. Martin, Martin, je te cours après depuis ce matin. T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma. Et Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent. Cette fois, c'est du sérieux, hein. Oula. Martin, 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 agent secret ou Dracula? Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins c'est la même chose.